Bonjour tout le monde. Hi everybody. J'ai un manque de mots, mais ça c'était vraiment vraiment beau. That was really really beautiful. Thank you so much for coming today. Merci tellement d'être venu aujourd'hui. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va laisser ces pancartes juste le long de. Oui, on peut peut-être les mettre comme ça. So we'll leave our could you? We'll leave all the stories of all the people that have suffered because of this regulation. We'll leave them here for the people who are in charge. Donc, on va laisser toutes les histoires, tous les récits personnels des gens qui ont souffert à cause de ce règlement pour les personnes qui sont capables de changer le règlement. So that reminds me, where are we? Où est-ce qu'on est? Ça, c'est les bureaux du premier ministre. So, du premier ministre François Legault. So, these are the offices of our prime minister, Mr. François Legault. So, our goal today was to really show to him that people are suffering because this regulation, and he and his government have to take steps to abolish this regulation. Donc, notre objectif, c'était vraiment de lui faire part de ce que vivent les gens à cause de ce règlement et demander qu'il l'abolisse. Je pensais que on pourrait faire la place pour une ou deux personnes si vous voulez dire quelques mots. So if one or two people want to come and say a couple of words, I would privilege people who are receiving welfare or have the experience of being on welfare. Donc je privilégierais quand même les gens qui sont à l'aide sociale ou qui l'ont déjà été. Et tout de suite après, je vais vous dire le plan pour le reste. Bonjour tout le monde, merci d'être venu un si grand nombre. On était chanceux, le fameux. Par contre, voyager, c'est moins beau quand on a le mot du règlement débile de 16 jours, 15 jours, c'est-à-dire 7 derniers jours d'un mois qu'on peut prolonger sur les 8 jours du mois, que c'est le mois suivant. Vous allez m'expliquer comment ça se fait, ça, que les marchandises peuvent circuler librement, tandis que des humains, eux autres, sont sujets à des brimades. Il faut absolument être en bas. Les humains doivent primer sur le commerce, je l'ai toujours dit. Fait que, je ne sais pas si vous savez, il y a un recours judiciaire qui se fait présentement à propos de ça. Puis s'ils ont bien fait le travail, comme ça va à l'encontre de la Charte de la liberté, on a des grosses chances de gagner ce point-là. So he was saying that one thing he doesn't understand is why is it that in our world things for sale, products can move from country to country very easily, but people can't. People are more important than things. And he says that this is why we are fighting in the courts. We're fighting this regulation. And he feels that as soon as you see that this law really violates our human rights, violates the charter, it should be abolished right away. So does anybody else want to say a couple of words? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent parler? Bonjour. Il se trouve que moi aussi je suis concerné par la difficulté. Ma mère est en France, elle a 87 ans. Je m'arrange de temps en temps pour aller la voir une semaine à la fin d'un mois des Big Dogs. Mais ce ne sera pas éternel et quand elle aura besoin de moi, je ne suis pas sûr que ça tombera au bon moment. Donc je trouve ça assez pénible de savoir qu'au moment difficile, je ne risque pas de pas pouvoir l'accompagner. Ce qui me semble, c'est que les politiques qui sont menées, qui sont très, très, très frustratoires, qui sont très. Qui nous mettent dans des situations difficiles, moi j'ai l'impression que c'est fait exprès. J'ai l'impression que la société
investit dans notre souffrance. La société est capable d'investir dans la souffrance des gens quand elle les met en prison. Un prisonnier, ça coûte plus de 100 000 dollars par an. Et la société investit pour faire souffrir des gens en les mettant dans les prisons, et ça sert à dissuader la délinquance. On peut discuter là-dessus, mais c'est une situation. J'ai l'impression que la société fait la même chose avec les personnes en difficulté, de façon à nous mettre en concurrence avec les gens qui sont au travail. Cette concurrence-là est utile à l'économie, parce qu'elle permet de faire peur aux autres. Elle permet de faire peur aux gens qui travaillent en disant « Mais si jamais vous n'êtes pas docile, là, si vous ne faites pas ce qu'on vous demande, vous voyez dans quelle misère vous allez vous retrouver. » Donc c'est un investissement pour pouvoir pousser à la compétitivité. Alors moi j'ai l'impression que le travail qu'on a à faire, c'est de faire des liens avec des gens qui sont un peu au-dessus de nous et qui ont tendance à nous rejeter parce que quand on se plaint, quand on joue aux victimes, c'est chiant. Quelqu'un qui joue aux victimes, c'est chiant pour autrui. Alors, si nous on le fait, les gens nous rejettent. Alors qu'en fait, le système dans lequel on est, ça les touche aussi, ça les amène à vivre aussi dans des conditions difficiles. Il y en a beaucoup qui font des dépressions, des burn-out, etc. Ces personnes-là sont aussi en difficulté. Il faudrait faire attention à aller vers eux aussi. Merci. He also is affected by this issue because he has a mother who is in France, he tries to go every once in a while and arranges a lot of things to make sure that he can go sometimes, but he's not sure that, you know, when her time comes, he'll be able to be there for her. He was also talking about the need for us to have links with people who are poor workers, for example, because sometimes he feels like the policies around welfare are deliberately harsh to divide us in some way. So thank you. Yes. Je me demandais si. Okay. So. Yes. Sure. One last. Yes. Oui, une dernière. Bonjour tout le monde, je veux tous vous féliciter pour avoir été venu aujourd'hui parmi nous. C'est vraiment, vraiment beau. Je me présente, je m'appelle Harry Moyen, je suis un des requérants dans la cause qui a été nommée. C'était très émouvant pour moi de vous voir tous ici et de participer à une belle manifestation comme celle-ci. Et je voudrais vous remercier pas pour juste de venir et d'être présent et de vous mettre debout contre cela, mais de réaliser aussi que c'est une question des droits de la personne et non juste une question des droits des pauvres. Et c'est quelque chose qui nous affecte tous. Merci encore beaucoup et félicitations pour une très belle. He said that he's very touched by everybody who came here today. He feels like it's everybody's rights, not just the rights of people who are poor that are at play here, that are being questioned. And so he feels very touched that everybody is here together for this moment. And as you all know me, the rest of you from the island of Montreal, you don't know me. My name is Merle. At one point in my life, I was on welfare, just like half of you people. Nobody told me I'm not allowed to travel. Nobody said one word. But I traveled. I went back to my hometown in New Brunswick to see my father, who was already dead, which I didn't even know he was dead. That is your bureaucracy, your government of Quebec, not of Canada, government of Quebec. I missed out on knowing who my father was. Because of government of Quebec.
I blame the government of Quebec for his demise. He wouldn't let me go home to say goodbye to my father. My family buried him. Okay? My family buried him without me by his side. That hurts. And when my mom passed away, not long after, I never went to see her. Quebec government wouldn't. Oh, you're not allowed to travel because you're on welfare. Excuse me? You don't know who you're talking to. That's it, girl. You might be the government of Quebec. But I have a bigger title called Queen of Continent. Donc, Merle Reisler, qui est connue à Côte des Neiges comme la reine de Côte des Neiges, Sa Majesté, a voulu dire qu'elle aussi, elle a été à l'aide sociale dans le passé, que les restrictions étaient vraiment moins rigides à ce moment-là, dans le passé, et qu'elle aussi, elle a vécu la mort d'un parent dans une autre province à l'extérieur du Québec. Et